Est-ce que tu es le genre de fille qui fait d'abord penser tout le monde autour d'elle avant elle? Nous, les femmes, on porte plusieurs chapeaux, hein? Que ce soit la femme professionnelle, que ce soit la conjointe, que ce soit la maman, hein? La plupart d'entre nous, ben, on fait passer les besoins de tout le monde avant les nôtres, hein? Puis ce faisant, ben, on met de côté, on se met de côté, on met de côté nos priorités personnelles, puis surtout, particulièrement même, je dirais, pour les besoins de la famille. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Moi, j'étais une de ces femmes-là. Ah, coucou, je suis super excitée aujourd'hui de te jaser de mon lancement de Moment Rose. Alors, je te laisse te connecter, hein? Dis-moi dans le chat, est-ce que toi, tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu es le genre de fille, justement, à faire passer les besoins de toute la famille avant les tiens? Hein? Tape, oui, je me reconnais. Donc, je te laisse te connecter avec moi aujourd'hui et je me présente pendant ce temps-là. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Nancy Sainte-Marie. Je suis experte en beauté rose. Oui, je pourrais continuer à dire que je suis une conseillère, une directrice Mary Kay. Mais experte en beauté rose, mais oui, au cours des années, j'ai développé une expertise et j'ai envie de mettre du rose partout ces temps-ci. Et oui, je suis une experte en beauté. Hein? Qu'est-ce que ça fait une experte en beauté rose? Mais moi, j'aide les femmes à s'accorder un moment pour elles et à redécouvrir leur beauté naturelle, à faire grandir leur confiance en elles. Comment je fais ça? Mais c'est grâce à mon approche personnalisée. Hein? Puis à des produits pardon, qui sont cotés en dermocosmétologie, qui sont abordables. Et ça, c'est un point que je veux vraiment accentuer avec toi aujourd'hui, des produits abordables. Parce que oui, on a tendance à mettre nos besoins de côté, puis c'est souvent une question de budget. Donc, des produits abordables et garantis 100% satisfaction. Donc, je suis certaine avec mon approche personnalisé et ces produits-là qu'on trouve ta routine à toi, ton moment rose à toi dans tout ça. Oui, moi, comme je te dis, j'étais cette femme-là, celle qui fait passer les besoins d'absolument tout le monde avant les siens. Puis on dirait que c'est inné, hein? Je sais pas si tu es comme moi, là, mais on dirait vraiment que c'est inné. On n'est pas capable de s'asseoir sur le divan le soir dans le salon avant de savoir que tout le monde a eu ce qu'il avait besoin. Hein? Que ce soit au point de vue professionnel, hein? Si tu travailles à la maison, hop, il y a un courriel qui rentre, tu vas aller le prendre. Que ce soit au niveau de ton conjoint, hein? S'il te demande un petit quelque chose, un petit service, tu vas le faire. Que ce soit au niveau de la famille, bien évidemment, les enfants, hein, comment de fois qu'on les fait passer avant de nous autres, c'est même plus, on comptabilise même plus ça. Donc, mais prends le temps de t'arrêter et de te dire, si je continue, parce que ça va à un rythme vraiment effréné, et ça va en grandissant, hein, ça s'arrêtera pas. Cette histoire-là, vraiment pas. Mais si tu prends jamais de moment juste pour toi, pour te ressourcer, un moment rose, juste à toi, comment est-ce que tu penses que tu vas être en mesure de continuer à prendre soin de ceux que tu aimes? Ça, c'est la question. Ça, c'est vraiment la question à se poser, hein? Les filles, je suis vraiment, vraiment excitée de vous jaser aujourd'hui de mon lancement officiel de Moment Rose. Moment Rose, c'est quoi? Ben, c'est apprendre
à prendre soin de toi, à prendre soin de ton visage. Parce que tu sais, notre visage va nous suivre tout au long de notre vie, hein? Il est là pour rester, hein? Puis, c'est notre énergie, c'est ce que les gens retiennent de nous. Et on a tous besoin d'un moment à nous, justement, pour se ressourcer, hein? Puis, on doit se l'accorder quotidiennement, régulièrement. Donc, Maman Rose, c'est quoi? C'est la combinaison entre ces deux besoins-là. On a tous besoin d'un moment rose. Ce moment-là, ça peut être un moment spécial, là. Ça peut être vraiment... Là, je regarde. Non, j'ai pas de commentaires dans le chat encore. N'hésite pas. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Si toi, tu es le genre de fille qui fait passer les besoins de tout le monde avant les siens. Alors, je disais, moment rose, c'est vraiment la combinaison entre j'ai besoin d'un moment pour moi, j'ai besoin de le faire quotidiennement, ne serait-ce qu'un 2-3 minutes au quotidien, hein, de juste fermer la porte et de m'occuper de moi et de m'occuper de mon visage. Parce qu'on le sait, hein, notre visage, c'est ce que les gens retiennent de nous. C'est ce que les gens voient en premier, c'est notre énergie, c'est ce qu'on dégage. Donc, c'est vraiment important de bien prendre soin de son visage. Moment rose, ça peut être le moment que tu prends avec moi ou ta conseillère Mary Kay, si tu en as une, qui va t'enseigner à prendre soin de ton visage. Moi, personnellement, je ne savais pas comment prendre soin de mon visage. C'est ma conseillère, Monia Morancy. Je ne sais pas si elle me regarde aujourd'hui. Monia, tu me regardes-tu? Non? OK, parfait. Mais c'est ma conseillère qui a pris le temps avec moi, qui s'est assise, qui a pris le temps, puis qui m'a enseigné c'était quoi les étapes, comment je prenais soin de ma peau à moi, qu'est-ce qu'il fallait que je refasse au quotidien pour prendre soin de ma peau. Elle m'a enseigné ça, elle a pris le temps, écoutez, elle a pris le temps juste avec moi. Donc, Maman Rose, ça peut être ça. Maman Rose, c'est peut-être le moment aussi que tu le répètes dans ton quotidien, hein, parce que moi, je suis vraiment là pour t'aider, te donner des trucs pour que tu puisses le répéter dans ton quotidien, hein, que tu puisses refermer la porte sur tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe autour de toi, puis tu prennes le moment pour toi. Que ce soit un petit 2 minutes, c'est pas grave, au moins, il est là. OK? Le temps, en termes de longévité, ça a peu d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se donne des trucs, on se met son planning. Il y a plusieurs façons dont je peux t'aider à répéter ce moment-là quotidiennement pour prendre soin de ta peau, pour prendre soin de toi. C'est important. Qu'est-ce que ça peut être aussi un moment rose? Ben, ça peut être un party de filles, que ce soit physique ou virtuel, plus ces temps-ci, pendant laquelle on a du plaisir, on s'amuse et que tu as ton cours de soins de la peau et qu'après, je prends le temps d'avoir chacune de tes invités avec moi en face-to-face pour personnaliser le soin, pour m'attarder à ses besoins, pour vraiment l'écouter et puis l'aider par la suite avec ça pour qu'elle puisse le répéter dans son quotidien. Alors, Maman Rose, c'est tout ça et que ça à la fois. C'est t'offrir le meilleur, c'est t'accorder le moment que tu mérites. C'est redécouvrir ta beauté naturelle, c'est redécouvrir ton pouvoir de séduction, ta féminité. C'est tout ça, Maman Rose. Voilà, écoute, je suis vraiment emballée et excitée de mettre ça de l'avant avec toi dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Alors, je t'invite à commenter dans le chat. Oui, je me reconnais. Oui, je laisse passer beaucoup de monde en avant de moi. Mm-hmm. Et ça va me faire plaisir de t'offrir
ton moment rose à toi gratuitement. C'est toujours gratuit ces moments-là, les filles. On veut mettre du rose partout autour de nous dans notre quotidien. On veut mettre du rose dans notre vie. On veut mettre du rose partout. Alors voilà, moment rose, c'est quoi? C'est un moment pour toi. C'est un moment que tu t'accordes à toi. C'est le moment où tu redécouvres ta beauté, ta féminité. C'est le moment où tu t'accordes le meilleur. En fait, c'est le moment que tu t'accordes... C'est le moment qui est à toi et que tu dois t'accorder quotidiennement. Voilà. Bien, merci d'avoir été là. N'hésite pas à commenter, à me poser des questions. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous à 13h. Donc, commente dans le chat pour avoir ton moment rose à toi, pour mettre du rose partout, partout dans ta vie. C'est important. Alors, je t'embrasse. Je te dis à la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de t'en jaser. Et puis, n'hésite pas à venir commenter. Entre-temps, ça va me faire plaisir de t'offrir ton moment rose à toi.